La fille, si s'est levée à 6h, 6h00, elle est sortie, elle est partie, elle est arrivée, elle sortait fait con, elle est dans la cuisine. Leti! C'est quoi? Quoi? Il vient pas te saluer? Avec la caméra. Est-ce qu'il y a un problème à ça? N'aime pas la caméra. Ça bon, il arrête alors. Ah, tu sais même comment? D'être fier parce qu'il vient te filmer pour voir ce que tu es en train de faire, ce que tu as envisagé de faire. Tu es là, tu me casses la tête. Tu es là, tu dis que avec la caméra, c'est quoi? Tu es l'un d'eux. Changou, ne me cherche pas les problèmes le matin, pardon. Je suis très concentrée. Bonjour, Leti. Bonjour, Changou, ça va? Ça va. Tchao, bye. Il y a un peu fermé. Il y a rien pour moi là, Leti. Tu me demandes si j'ai préparé comment? Tu ne vois pas comment je suis en train de préparer. Le gars, c'est même comment? Ah. C'est que quand les filles sont souvent à la cuisine, elles cuisinent là. C'est qu'il y a quelque chose d'abord en avance pour goûter, pour grignoter. Même la nourriture d'hier là. Il sait pas si tu as me chauffé. Il sait un peu, il sait pas. Tu me. Il n'y a rien. Ok. Sans souci alors. En tout cas, il va rester, il va attendre. Non? Et tu fais quoi comme ça, Leti? Je suis en train de préparer, Changi. Tu veux pas quoi? Le héros, tu ne vois pas. Le héros. Oui, non. Hey! Comme tu dis souvent, non, père, ya. Et tu faut mettre beaucoup les obstacles dedans. C'est ça que j'avais aimé. Oui, c'est ça. Bon. Et toi, tu es la seule que j'ai toujours voulu avoir dans le monde ici. Parce que tu connais faire les choses comme il faut. C'est pour ça qu'elle t'aime trop. Mmh. Elle est dit. Regarde un peu, dis que les gens de ta communauté, dis comment est-ce que tu vas nous faire ce truc. Ça va être délicieux. Et il dit. Moi, je savais que les nourritures comme ça, là, c'est souvent compliqué pour toi. Tu prends souvent le temps et la peine de préparer ça. Souvent, quand tu prépares les nourritures, c'est que c'est pour un truc spécial. Et c'est pas trop. Effectivement, c'est même bien comme tu es là. Tu sais que robe de cuisine ne se sent pas bien. Est-ce qu'il m'a dit? Il ne se sent pas bien, il est malade. Donc, on va aller lui rendre visite tout à l'heure. Hein? Mm-hmm. C'est bien comme tu es là. Donc, je lui fais un plat qu'il aime beaucoup, le héros, avec le tapioca. Donc, quand je vais finir tout à l'heure, on va partir chez Rob. Avec moi? Je ne veux pas partir. Leticia, tu connais comment lui au moins c'est les problèmes quand il s'agit de la nourriture. La dernière fois, tu as fait la cuisine de Leticia. Tu as préparé le héros. Tu as vu comment on a failli se déchirer. Maintenant, il est mal. En tout cas, le tout, il n'a pas essayé de partir. Il est même malade. Il sent que c'est moi qui vais gagner le tout. Et sinon, Leticia, raconte-nous alors ta journée, ça se passe comment? Comment tu la passes? En dehors de cuisiner le héros aussi, là. Il y a quoi d'autre de spécial? Il y a quelque chose de spécial. C'est que on est en décembre. On est le 1er décembre, le mois du soleil de décembre que je suis. Arrête aussi de faire les manières, non? C'est quoi? Tu ne peux pas te comporter. Tu fais les gestes et les manières comme si je ne sais pas. Tu dragues quelqu'un. C'est ici. Parce qu'il y a la caméra, c'est que j'étais déjà baflée. Tu me connais. Donc, comme je disais, mon anniversaire c'est le 4. Le 4, c'est quand? Vendredi. C'est vendredi, non? Voilà. Mon anniversaire c'est le 4. Donc, dans 3 jours. Ah, le bout de ça, j'aurai 24 ans. Alors. Dans ma communauté soleil, mon groupe WhatsApp, ça se poursuit déjà là-bas. Donc, je suis trop contente. Voilà, j'aurai 24 ans sur terre. Et il y aura la nourriture, Leti. Hein? Il y aura la nourriture. Non. Et tu cries l'anniversaire. Pourtant, il n'y a rien pour accueillir les gens. C'est quel genre d'anniversaire ça? Et tu cries partout, la communauté soleil. Arrêtez-moi, c'est. Je vous dis ça. Pour accueillir quel genre? Il n'y aura pas la fête. C'est simplement que je veux me lever ce jour-là et recevoir beaucoup de souhaits, de bonheur, de santé, d'argent et d'argent et d'argent et d'amour. On mange ça? Moi, je mange ça. Donc, mes soleils, je suis en train de faire à manger pour aller rendre une petite visite à Rob le Grizzly qui ne se sent pas très bien. Donc... voilà, je n'ai pas voulu faire la cuisine de Leticia parce que c'est le héros que je fais. Et vous avez déjà la vidéo de la préparation et de la cuisson sur la chaîne. Donc, je n'ai pas besoin de refaire une vidéo. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va rendre visite à Rob le Grizzly qui est malade, qui va manger le plat de héros avec beaucoup d'obstacles dedans. Oui. Et ça, à côté, je vais regarder. Et il va te taper si tu bouges. En tout cas, nous, comme maintenant, on va voir la suite. On va voir qui va taper l'autre. C'est lui qui est malade. Est-ce que c'est moi?
Ah, Tchango, tu ne connais pas l'adage sur le lion blessé. En tout cas, Leti, il revient. Ok. Dès qu'il y aura quelque chose qu'il faut grignoter la parole, tu me préviens. Pardon, non. Tu as dit que tu partais, non. Ok, ça va. Bye bye. Laetitia. Oui. C'est la cuit. Je te dis que toi, ma tu es de cuisine, non. Tu es rapide. C'est pas le truc qu'il y a pour pas pendant 7 heures de temps là. Tu es là, tu attends, tu attends, tu attends. Elle est là, elle traîne, elle tourne, elle tourne. Moi, je suis fier. Laisse-la dans la couche. Eh, Laetitia, oh. Et maman, ça sent bon. Mais. Et tu. Tu sais que tu es très belle. Django. Quand tu vois la nourriture comme ça, ton cœur fait pou 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 pou. Eh, hey, Laetitia. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Si elle ne mange pas maintenant, je vais t'écouter comment. Tu sais que c'est le ventre qui porte la tête. Donc du coup, tu n'as rien. Ouais, et en ça. Tant que ton frère, donc du coup, je dois... Non, c'est pas pour rien que maman nous a mis ici, nous dérapiler. Elle savait que si elle reste là-bas, elle va pleurer moi chaque jour. Sachant que tes talents de cuisinière là... Attends, moi, elle me dérange. Non, pas se déranger, elle dit quand même. Voilà, mes soleils, j'ai fini. Je suis en train de rouler le tapioca. Voilà, je ne vais plus jamais faire le marché à Ekoum. J'ai fait le marché à Ekoum. Vraiment, je regrette. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas le marché là. Donc, quand je suis allée gérer la facture de Kamwata là-bas, j'ai profité pour faire le marché. Ah. Sauf que mon expérience n'a pas été si bonne que ça. Donc, je ne vais plus jamais faire mon marché là-bas. Tu pars d'abord. J'ai cherché le Watafu. Je n'ai pas vu. J'ai dit, ok, ça fait rien. Je vais prendre le tapioca. Entre-temps même, ce qu'on me vend là-bas, j'ai acheté le compte 600. Ça ne ressemble à rien. C'est petit comme ça, comme si c'était pour 300. Ça ne commence pas. Il commence à faire des trucs que tu dis que c'est à rien. Parce que moi, je mange beaucoup la sauce alors. C'est petit. Prends ça. Regarde. Eh hey, non, on ne va pas remettre ça au marché. Tu ne vas pas remettre, non. C'est petit. Ça. Le Watalif même de ça. La mère elle me dit, est-ce que le Watalif sort même? La saison sèche, c'est comme ça, ma fille. Il faut seulement prendre. Voilà ça dans la mamie. Ça ne ressemble à rien. C'est petit. Elle t'a angoissé avec son langage de bail en ce langage. Tu es aussi tombé dedans. Le problème, c'est qu'elle était seule. Et dans leur marché, c'est que si tu prends le coq, si tu veux le Watalif, en fait, tu dois acheter avec le coq. Tu ne peux pas prendre le Watalif seul. Non, c'est comme ça là-bas, je sais. Vraiment, ça fait mal. En tout cas, il y a un proverbe qui dit que quand l'enfant voit le feu et il envoie le doigt, laisse qu'il envoie le doigt jusqu'au feu. Tant que ça ne le brûle pas, laisse-le. Parce que quand ça va le brûler, il va plus partir là-bas. C'est bien comme ça t'a un peu fait aujourd'hui. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, tu vas plus mettre tes pieds là-bas. Non, plus jamais. Voilà. Même si je coude mon pied là-bas, je me lève et je pars. Il ne peut plus. Au lieu d'aller en vogue à tu es là, tu viens même parce que tu viens faire un marché des économies. C'est parce que je voulais être rapide. C'est pas comme si je prépare pour la maison que je vais dire que même si je finis à 20h, ça ne va pas me déranger. Je suis en train d'aller rendre visite à Rob. Il faut aller rendre visite en journée, quand il y a encore le soleil, tu veux partir là-bas la nuit. En tout cas, c'est même pas mon problème. Pour vous qu'elle mange, je suis rassasié, c'est tout. Donc, je suis en fait averti que ce qu'elle va te donner, tu manges seulement, même si c'est deux pots. Parce qu'elle va te mettre deux viandes avec deux pots. Ça va compenser. Laetitia, moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Et tout, moi, je veux pas. Non, tu me sais, elle mange pas. Vraiment, ça commence bien. Quoi? Tu ne vas pas manger. Ok. En tout cas, pour te faire plaisir, je vais manger alors ça va. Pour te faire plaisir, c'est bon. Ouais, pendant ça. Ça fait juste aller que les deux. En tout cas, moi, je reviens là après. Ça fait vite pour moi. Moi, je vais. Ouais, c'est ça. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas très bien parce que Rob est malade. Donc, voilà, c'est le départ. On va apporter quelque chose à manger à Rob. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. C'est au moins 7000. Mais ça va pas faire deux jours. Petit gras. Mais
penche là, je vois seulement nord. Envoie seulement. Appuie là, je vois seulement nord. Envoie seulement. Route là, je vois seulement nord. Je vois seulement nord. Je vois seulement nord. Tâte là, je vois seulement nord. Envoie seulement. Frôle là, je vois seulement nord. Appuie là, je vois seulement nord. On est arrivé. Déjà. Ah, il parle même déjà comme s'il ignorait la maison d'Europe. Oui, monsieur a venu ici. Moi, il y a des gens qui ont dit non, c'est mon bagarre pour la nourriture encore. Il ne blague même pas. Tu viens manger à la maison et tu viens encore manger chez le malade. Il ne mange pas pourquoi? Ha! Il veut manger, je veux sauf que manger sa nourriture. Je veux voir comment tu vas le manger. Moi, je te dis que c'est lui qui est le malade. Je veux le taper aujourd'hui, oh, il ne blague même pas. Il va là-bas, je vais lui dire. Non, ouais, tu blagues, c'est bon. Tu blagues. Il faut garder les secrets. Quand tu vas lui dire, maintenant, il va se préparer en conséquence. Laisse-nous gérer notre kata. Oh. Tu dis que tu veux déjà mourir. Le soleil de décembre. Nous, on n'a pas l'argent pour faire la bille. C'est bon. C'est comment? Je suis là, Petit. Ah, c'est bon. Voilà, non. Le beau salon, il y a l'air, Christian. Dis que. Anéa, maman, on te demande dans ma communauté soleil jusqu'à je t'envoie le lien, tu intègres le coup, pardon. On a déjà demandé que Ashley, la copine brutale, est ouf, elle est ouf. Je vais filmer, elle est brutale, c'est vraiment le film. Il faut pas voir, c'est déjà. Comment dire que c'est le gars qui a tapé Christian? Non, finalement, ils ont opéré. Ils ont dit que c'était quoi? Un kyste. Toi, c'est comme ça. Tu traînais avec la mort. Tu massais avec l'alcool. Tu disais que ça va baisser alors que. Il voulait prendre la lampe pour fendre. Oui, c'est ce qu'il nous avait dit. Et directement, on m'a dépisté aussi le. La typhoïde, non? On a fait les examens sur place là. Typhoïde et pas lui. La maladie de tous les Camerounais. C'est grave alors. On a fait ça hier. Hier là, on m'ouvrait la main. Gravement, c'est la main. On m'ouvrait la main. Yeah. Ça me rappelle quand on m'opérait. Dans l'hôpital. Dans une clinique privée. C'est ça qu'on attache comme ça. Ils sont en train de faire les points de suture. Ils n'ont pas mis l'anesthésie. L'anesthésie, mais au départ. Oui, local. Au départ, quand il y a l'anesthésie. C'est ça comme mieux que soit là-bas. Ah, c'est aussi vrai. C'est vrai comme je dis, c'était externe. Parce que si c'était comme dans le ventre là. Je vais mettre, mais tu me diras laquelle je vais mettre ce jour-là. Soit celle de 27 minutes. Ah, non, 27 ça, minutes. Toi, c'est mieux celle de même 10 minutes, non? 6 minutes, 10 minutes. Tu vas pas faire les découpes. Plus intéressant. Il faut que tu parles, non? Ça ne soit pas seulement. Ah oui, il faut que tu parles. Tu mets juste les petits esprits. Mon frère. Elle va chercher pas, non, moi il y a faim, le tout ça, il domine Rob le Grizzly parce que son bras est cassé. Moi, mais tant que c'est la bouche qu'elle soit, c'est la magie. Et tu m'étais dit qu'il est là, non? Moi, je vous ai dit que, est-ce que vous connaissez l'adage du lion blessé? Tiens, tu connais l'adage du lion blessé? Moi, il m'en fout, le tout, je suis sûr de moi, Laetitia. Le tout, je suis sûr de moi. La première fois, il n'a pas le bras. C'est mort, pour moi, il faut manquer bien l'autre. Il m'a dit qu'il faut 89 000 pour dépanner. Mais on achète tout. C'était pas facile. On a fini la fête là. Et le soleil de décembre, le plat que j'adore alors. Oh, je sens que c'est vraiment guéri. Il a dit le plat qu'il a quoi? Le plat que j'adore. Tchangou, tu as déjà mangé. Oui. C'est pas pour ce plat qu'il est faillé. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Oui. Donc, je suis en train de développer ça. Je suis en train d'expérimenter ça sur c'est pas grave. Dès que ça prend la. Ça veut dire que les fans, il y aura un bouton à côté de s'abonner. Vous pouvez choisir la catégorie que vous tenez par mois. Vous tenez 1$ par mois. Vous tenez 2$ par mois. 5$ par mois. Tu vois un peu, non? Voilà, mais là, et maintenant, on fait une communication de gens, les gens, pour qu'on vous suive le soutien. Mais souscrivez seulement au soutien. Oui. Tu vois un peu, non? J'ai même vu aujourd'hui, ils ont changé déjà
système de mise en ligne des vidéos. Non, oui, YouTube a changé son interface. Voilà, effectivement. YouTube a changé son interface. Mais c'est depuis, non? Tu dis? C'est depuis, non? Yeah, avant, ils avaient changé, ils ont encore changé. Ah. Ah. Oui, ils améliorent. Ils ont fait ça genre de la vie. Ils améliorent ça au fur et à mesure, au fur et à mesure. Oui, non, d'abord comme ça, quand il laisse d'abord comme ça, non. Mais c'est... Et t'as dit que tu ne mangeais pas, non? Alors qu'elle va manger. Manger quoi? Ça. Ah, bon, c'est un peu ça. Adina, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, mais Soleil, pardonnez. Je sais que la première fois, vous vous êtes plein que Rob a mangé avec la fourchette et tout, que c'était un manque de respect. Mais là, non, vous il va manger avec la main. Non, il va manger avec la main cette fois-ci, vraiment. Ah bon? Oui, même est-ce que manger le héros avec la fourchette, ce n'est même pas un mépris. C'est le tarot. C'est le tarot. Voilà. Tu n'es pas quand même Sergio Polo. Donc, on ne voit pas où est le problème. Bon, voilà, donc je peux manger avec la fourchette. Et en passant, Christian Changou, il me souvient que ce jour-là, quand il mangeait le héros, tu m'as menacé. Je t'ai menacé et tu m'as promis quelque chose. Voilà. Depuis là, il réfléchit. Ah, mais si tu me sais pas aussi. Ou parce que je suis pas sûr que c'est. Non, je suis pas malade. Ah. Eh hey, gars, on est ce gars. Ça parle aussi un peu, non? Tu me lances une demi-boule. Sincèrement, quand moi je vois mon bras, c'est Tchango, la caméra que tu as en main là, ça me fait, ça te sauve. Et c'est vrai que mon bras, parce que là, je suis manchot. Sincèrement, c'est toi qui as dû me balancer le kyste ici. Toi là, Tchango, il va bien étudier ton cas. Parce que tu m'avais dit que grand robe, je n'ai pas peur de toi. Je vais te montrer. Et voilà ça. Voilà ça. Tu me mets un morceau de viande. Dans tous les cas, je vais profiter de l'occasion parce que je pense que lui, c'est moi qui domine. Dès que dépose la caméra, je n'ai pas cherché ma latte. Je casse encore l'autre bras. Et puis, je me sers encore mon plat de héros. En tout cas, la caméra, elle me met témoin. Donc, voilà. Si demain, on te retrouve lancé quelque part, on vient à l'hôpital. La caméra va témoigner que c'est toi qui avais déclaré la guerre à Rob. Non, moi je mange pas beaucoup, hein. C'est un outil d'Europe, donc je mange juste un peu. Mange. Ah ben là, laisse un outil d'Europe, prends seulement une demi-boule. Je mange. Tu dois manger tout. Tu prends deux boules, c'est joué. Mais t'as pas moyen de tomber. Le soleil de décembre même va manger un peu. Non, excuse-moi. Christian, un peu. Voilà. Non, Christian, on a mangé à la maison. Ah non, ça va donc, voilà. Ça veut dire. Christian, mais tu sais comment, hein, qui? On a mangé à la maison, Tchangou. Ça veut dire. Tu sais, le malade. Voilà, ce qu'on va faire ici, n'est-ce pas, c'est que. Ashley. Ouais. Tu me montres les viandes qui sont là et tu choisis ta viande. C'est tout le même problème que j'ai eu avec la dernière fois. Tu choisis ta viande, franchement. Si tu veux aussi, tu envoies sur l'autre bras. Ouais. Je vais au moins gérer ça avec mes deux pieds. Sincèrement, gros bon appétit. Tu me tapes souvent ici pendant les tournages. Bon appétit. Les chandelles. Non, ne prends pas l'autre là. Voilà, prends celle-ci. Pourquoi tu me montres les viandes? Hein, tu as vu ça? J'ai vu ça, c'est ce qu'il voulait lui dire tout à l'heure là, j'ai vu ça sur c'est quoi communauté. Encore? C'est là encore la guerre. C'est Swan qui fait sa guerre avec Michel là-bas. Et toi, quoi dedans? Il sait qu'il me met encore dedans. J'avais laissé la paix depuis longtemps.